Omega AB. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training, j'espère que tu te portes bien, c'est toujours un plaisir de partager avec toi, où que tu sois dans le monde. Alors aujourd'hui je te fais une petite vidéo, toute simple. Pourquoi ? Parce que en fait, écoutes-tu de la musique ? Si tu écoutes de la musique comme moi, alors tu dois ressentir certaines choses, de la stimulation. Lorsque je fais de la musculation, j'écoute de la musique. Et pas n'importe quelle musique, j'écoute un artiste qui s'appelle King Crazy. King Crazy, c'est un artiste qui vit à Lubumbashi et qui fait de formidables chansons. Franchement, je ne dis pas ça, pourquoi ? Parce que, bon, évidemment, je suis du Congo aussi, oui, d'accord, mais c'est pas la raison première, parce que quand j'écoute ce qu'il fait, j'ai l'impression de voyager en dehors même du Congo, tout en ayant cette approche un peu congolaise, quoi. Voilà, bon, je me répète un peu dans mes formules parce que je suis en train de faire une vidéo live, pourquoi ? Parce que j'ai rien écrit, hein, parce que d'habitude j'utilise un prompteur, bon voilà quoi, vous savez comment ça se passe. Alors, donc quand j'écoute King Crazy, ça me permet justement d'avoir de meilleurs entraînements. Ça me permet de m'entraîner avec beaucoup d'intensité et surtout beaucoup de concentration et beaucoup de feeling dans ce que je fais. Alors je vous invite, mais sincèrement, à aller sur sa chaîne YouTube et à cliquer dessus. Et surtout, n'hésitez pas à écouter et réécouter encore et encore, parce que la musique ne peut peut-être pas s'apprécier du premier coup, mais à force d'écouter, vous allez sentir les subtilités. Et que dire d'autre ? Les gens vont dire que les goûts et les couleurs, justement, bon, c'est quelque chose, comment on va dire, qui ne se discute pas. Mais quand un produit est bon, il est rare que des personnes n'aiment pas. Alors maintenant, je vais passer à un autre sujet. J'ai vécu pendant un bon bout de temps dans un pays d'Afrique centrale qui s'appelle le Gabon. Et j'avais l'habitude d'écouter cette radio que nous connaissons tous, qui sommes d'Afrique centrale, Africa numéro 1. Et il y avait une émission qui passait le soir vers 20h30, heure locale. Et c'était l'aventure mystérieuse. Et alors l'aventure mystérieuse était animée, dirigée, construite et faite totalement par un certain monsieur Patrick Nguemandong. Eh bien, j'ai appris la mort de ce monsieur que j'ai rencontré par deux fois au Gabon, lorsque j'étais au Gabon. Alors je l'ai rencontré, c'était une fois, je l'avais croisé, c'était juste en face du grand supermarché qui s'appelle Mbolo. Puis une autre fois dans une boîte de nuit dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus. J'ai oublié le nom. Enfin bref, c'était, elle se trouvait où ? Vers le quartier Louis, cette boîte de nuit là, voilà. Alors ça c'est pour les Libreville-ois, hein, les Gabonais qui connaissent. Et puis, il a bercé, on va dire, toute mon adolescence avec ses histoires qui faisaient peur, qui faisaient rire aussi, parce qu'il savait faire peur, il savait faire rire. Et puis ce que j'admirais beaucoup avec ce monsieur, c'était côté culture, parce qu'il s'intéressait aussi à la culture asiatique. Et même une fois, il avait fait il avait fait renaître. Je sais pas s'il l'avait fait renaître, hein, peut-être, mais mon terme est peut-être un peu excessif. Un art martial qui s'appelait le Viet Vo Dao. Oui, le Viet Vo Dao. Et lorsqu'il y a eu, je ne sais plus, dans les années 90, une nuit des arts martiaux qui avait été organisée à Libreville, j'étais là-bas, il avait présenté le Viet Vo Dao. Voilà. Voilà. Donc c'était un peu ma petite parenthèse par rapport à Patrick Nguemandong. Et qu'est-ce que je vais rajouter d'autre ? Oui, je vais aller sur YouTube et je vais retrouver des audios de ces émissions-là qui passaient à l'époque.
et pour me remémorer certains souvenirs. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ben, petite vidéo improvisée comme ça. Et tout ça pour vous dire que ne cessez pas vos entraînements, même si vous n'avez peut-être plus les moyens d'aller dans la salle de sport. Il y a les élastiques, il y a des petits exercices qui sont très bien pour maintenir un très très bon physique. Et je pense que si vous souhaitez, ah oui voilà, si vous souhaitez que je fasse des vidéos où je fais des exercices avec les élastiques, ben faites-le moi savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Et puis gardez à l'état, gardez dans l'esprit, gardez à l'état, bon, qu'est-ce que je raconte, gardez à l'esprit que la musculation, ben, c'est la mère de tous les sports, et faire travailler les muscles, c'est ce qui donne justement une très bonne forme. Hein, et c'est indispensable. Vous voulez avoir une très bonne forme, ben faites de la musculation, mais faites-la de façon intelligente. Et puis essayez aussi de voir loin, c'est-à-dire ne soyez pas pressé. Les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Mais si vous travaillez, ben comment je veux dire, à force de vous voir, bon, vous n'allez pas, si vous regardez tout le temps, vous n'allez pas voir les résultats. Mais quelqu'un qui ne vous a pas vu depuis 6 mois verra que vous avez beaucoup changé. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Donc les résultats que l'on obtient à la musculation s'obtiennent avec le temps. Et ça nous apprend la patience, ça nous apprend la discipline, ça nous apprend à être, comment on va dire, focus sur un objectif. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et puis merci d'être là. Et aussi bonne fête de fin d'année. Ouais, surtout ça, bonne fête de fin d'année. Et puis en ce qui concerne les résolutions, eh bien moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment de résolution à prendre, hein. Soyez en fait responsable soyez raisonnable dans ce que vous faites, et puis voilà, ça ira. Il n'y a pas besoin de prendre des résolutions ou des quoi que ce soit. Non. Si vous avez des résolutions, ben, prenez-les maintenant. N'attendez pas que 2022 arrive, quoi. Tout simplement. Allez, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt, les amis. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt.